Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde, merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je tiens à nous inviter au suivi, visite délégation d'INEPA avec MTPTC dans le département Sud Pays pour garder une série de projets qui déjà paraît pour inaugurer et puis quelques autres qui continuent grâce à support Banque Mondiale à coopération espagnole. Ces informations sont nous porter pour avec deux lots. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool yeah. Monsieur David Dessieux qui c'est coordonnateur programme Banque Mondiale dans l'INEPA et bien je vais nous bonne occasion avec introduction de l'ingénieur Léger sous sa nourrie tarissement de nos sources. Nous toujours prenons exemple Kenskov, côté que nous avons répertorié 38 sources, il y a 34 qui presque tarie ou bien tarie complètement. Donc là, alors que sous ça, au niveau de Kenskov, eh bien, toujours considéré comme le château de alimenter la rivière Grise, la Momance et la rivière Froide. Eh bien, c'est dans ce sens-là, nous avons un deuxième volet d'activité que nous avons fait dans le sud-là, c'est le lancement du projet pilote de protection des sources émergentes, de quatre sources émergentes et des bassins versants. Pas de meilleur monde qui est capable de présenter ou bien bail nous-mêmes qui l'a en introduction sous le projet pilote ça, que coordonnateur de projet A, à savoir ingénieur David Dessieux. $2, pour ne pas dire 3 millions dans le réseau d'adduction, changer gros moment tuyau. Eh bien, il est important pour nous procéder à réhabilitation de réseau de distribution à hauteur de plus de $600,000. Donc, nous démarrer visite ça, mais nous allons passer au niveau de ville locale, côté que même coopération espagnole ça arrivé et entrer dans la première phase de clôture qui, de espace qui va loger immeuble. Au repas sud là qui se branche dîner pendant grand sud là. Après ça nous pral port salut côté que bon réseau qui est en construction depuis plus que un an. Ceci c'est grâce à financement de la Banque Mondiale. De port salut pral tomber et roche à bateau, de roche à bateau n'a privé pour apiment, de port apiment n'a privé les Anglais pour nous tomber jusqu'à Tiburon. Et ingénieur Dessieux, qui est responsable programme Banque Mondiale là, au niveau de zone côte sud là, côté Banque Mondiale a fait gros investissement ça, eh bien, tu as confirmé nous, dans cinq communes au niveau de la côte sud, financement ça a avoisiné $12 millions. Et nous apprécions accompagnement Banque Mondiale, même gens que nous apprécions accompagnement et coopération espagnole. Et pourquoi pas au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est pays qui a fait face à un problème grave, qui sont problèmes côté que en pile sociaux à Tari, actuellement dans le pays. Pour plusieurs raisons que tout le monde a, c'est déboisement, c'est façon de construire, c'est élevage. C'est tout ça qui fait que nous-mêmes, comme l'homme, comme monde, intervention nous fait dans la tête sociaux ou bien dans la zone qui a alentour sociaux et bien qui va problème à ça. Peut-être ça, eh bien, tu n'es pas t'es décidé après plusieurs constats que tu fais. En 2016, tu as commandé ton étude que au repas sud, tu as dirigé sous un financement que Banque Mondiale t'a accordé pour être capable de garder pour une région sud là qui genre situation ça. Ce constat est révélé sous ensemble de sociaux t'as gagné au moins ont 25 sources qui te méritent une intervention urgente et rapide parce que j'ai été constaté que le débit a diminué, que le gain là a disparu. Et tant que je nous là tout, nous connaissons un pays, nous n'avons pas sa tête monnaie, nous comment tête monnaie, et bien ça te un petit problème. Sous ensemble de sous ça, le projet EHPAD là, que dîner pas à coordonner, sous son direction générale là, tu es décidé pour être capable de considérer 4 sous seulement. En raison du fait que nous connaissons le fait que vous avez plus de travail pour faire, mais les moyens n'ont pas toujours disponibles, et bien sur 20, sur toutes les sous-sources, nous avons 4 sous. Donc 4 sous-sources,
yo ap nan Bodari nan sud-est, yo ap Port-Salut nan sud, y ap la Zil nan Nip et yo ap tou nan zone la Tibolière nan Grand-Est. Donc nous dit que nous lancé un projet pilote pour nous faire qui ça. Pour nous faire qui plus bon manière que nous capable arriver reconquérir espace pour permettre que nous capable permettre que de l'eau arrive dans robinet. Parce que si nous continuons à faire réseau, à construire réseau, etc., nous allons continuer à dire qu'il n'y a pas de l'eau. Ou bien, il n'y a pas de l'eau qui retourne dans le robinet. Mais tout, il n'y a pas de connaître que tout le monde a un effort pour nous faire ensemble qui vous permettre que nous sommes capables de faire de l'eau. Le prochain travail que nous avons pour nous faire dans la ville, c'est préparer, réhabiliter, extendre réseau de distribution et réseau hydraulique, ville et Aquin. Donc, c'est un financement de près de 600 000 dollars américains qui vient suite à près de 3 millions de dollars américains que la population espagnole a dépensé dans les réhabiliter réseau adduction et d'eau potable dans la ville. Juste après la réalisation réseau adduction réseau Aquin, hein, que le directeur général a parlé, donc il y a une nécessité pour nous construire un nouveau bâtiment ça, hein, pour loger CTP Aquin. C'est un bâtiment qui est donné sur environ 300 mètres carrés, qui est la donnée, il y a une salle de réception. C'est fait pour les clients. Nous gagnons direction en proprement dit. Nous gagnons la donnée, un espace qui est réservé pour activités administratives. Nous gagnons justement un espace qui est réservé pour responsables techniques là, avec responsables social. C'est en gros ça qui composait le bâtiment. Ça. Et c'est une construction qui fait environ 8,145,327,75 €. C'est en gros ça. C'est OD aller dans plusieurs sections communales, côté moun yo oublié yo, à distribuer cache-né pour combattre le coronavirus. Là. Et lui arrive à prendre doléances dans l'école, commissariat, tribunal. Organisation populaire jouait pour nous. Voyons un message clair par le président Jovenel Moïse à tout le ministère intérieur pour le dire. Port-au-Prince fondé en 1749, il vint capitale pays en 1770, il écrasé plusieurs fois. Ça fait plus de dégâts, c'était mardi 12 janvier 2010 là, à 4h53 p.m. Il était cause environ 100 000 personnes perdu la vie. Premier magistrat à ville ça a été relé Thomas Antoine Demodu Duplessis dans l'année 1787. Rivé 2020, ça fait ville ça 271 l'année. Depuis après 1988, sous Franck Romain, n'a posé tête nous question est-ce que Port-au-Prince Jean-Guillaume magistrat qui travaille vrai. Nous féliciter choix monsieur Lixon Janvier. Comme président cartel mairie Port-au-Prince, c'est un monde qui a caractère, travail, qui a capacité pour faire nous revivre Port-au-Prince encore. N'a demandé pour président, à ministre intérieur monsieur Ode pour l'accompagner cartel ça dans toute démarche qui bon pour commune. Parce que Moun Solino, Belé, Rissé Matin, La Saline, Bissotne, Bon Cimetière, Elatrier, Dio Bouquet, vivent dans Fatra, La Boue, Inondation, Elatrier. Organisation populaire jouait pour nous. Mande à tout parent. Pinga, yo prenne intimidation personne. Parce que petit moun sa qui n'en opposition, c'est l'autre bon à l'école. On nous prépare à venir petit par nous pour demain pour yon gagner une vie meilleure. Kampé de barricade, boule machine, la gueule l'huile dans le monde, pas à venir nous. D'ailleurs, militants, pas métier. Organisation qui dit y'a défendre droit moun yo. Tant que NDDH, Fondation J'éclairé, nous dit yo, suspend politiser jeunesse là. Suspend diaboliser compétence moun qui pa gen même ligne idéologie politique ak yo. Directeur France Ideris, c'est un jeune garçon qui sorti dans l'université de l'État. L'État dépense dans lui. Bonne chance li pour servir pays. Pour finir, nous féliciter peuple dominicain, spécialement politiciens dominicains qui pas choisi pour pouvoir dans leur pays, fermer l'école, bouler, écraser, briser ni coup d'état transition. Mais qui prend route élection. Nous voyons un gros coup de chapeau pour M. Louis Abinadel qui est élu président démocratiquement. Natiba Haïti, décrété journée ça comme journée nationale, mobilisation contre estyrofoam.
Et nous choisissons journée ça, c'est par rapport à décret qui était pris en date 10 juillet 2013 pour stopper l'utilisation de produits pour importation et sous n'importe forme, que ce soit sachet, gobelet ou bien n'importe autre forme, ils sont capables de venir sur le territoire national. 7 ans après, c'est pas ça que nous-mêmes nous remarquons. Nous boîte manger ça tout partout, à faire nos explications. Et c'est deux boîtes qui sont extrêmement dangereuses, qui représentent des problèmes graves de santé publique, de problèmes environnementaux et de problèmes sous question agriculture dans le pays. Et les briser tout, les affaiblir chaîne alimentaire, là, parce que nous connaissons les boîtes ça est allé dans la rivière, dans la mer, yo poisson yo étouffé poisson yo et pour sa poisson qui consomme yo tourner dans assiette nous vinn ban nous l'autre problème encore. C'est dans sens ça alternative à Haïti à travers collectif qui dans zone dans 9 départements dans 10 départements pays hein, nous arranger nous pour nous faire de activités pour nous sensibiliser monde sous question styrofoam non. Et en même temps tout n'a fait pression sur l'État pour faire respecter arrêté 10 juillet 2020. C'est un espace côté que nous voulons faire monde connaît qui bon côté combat nous y est ensemble avec lui et ensuite qui côté nous voulons arriver avec question boîte manger ça qui a détruit nous et qui handicap que nous rencontrons sur route nous. Ce qui est important que nous avons souligné, GAF, groupe d'action francophone pour l'environnement, avec collectif Alternativa Haïti, ensemble avec d'autres citoyens, citoyennes, d'autres organisations, nous mobilisé pour la première fois en Haïti, nous voulons mener lutte pour tout le monde arriver à jouer un résultat. La lutte qui a mené, ce n'est pas une lutte personnelle que liée. Ce n'est pas une lutte au petit groupe lié. Il concerne la santé de tout le monde. Il concerne les grands monde, il concerne les petits monde, il concerne les jeunes filles, jeunes garçons, il concerne tout responsable qui ne prend pas responsabilité. Il concerne tout militant, militante qui travaille, qui boumé pour l'autre environnement dans le pays. Côté que nous arrivons aujourd'hui, c'est que nous ensemble d'organisations haïtiennes comme organisations étrangères tout qui décidaient pour ne pas servir à boîte manger ça encore. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille que nous arrivons dans tous 10 départements, je dis en là, pas de commune qu'on va aller, pas de section communale, pas de habitation qui pas connaît que boîte manger ça pas bon pour servir. Pas bon pour utiliser. Ça qui est important que nous capables de dire journée aujourd'hui au niveau international, les acteurs internationaux, yo connaît clairement aujourd'hui là que il y a une lutte qu'a mené en d'un pays pour que toute coopération que y a bail Haïti pour coopération ça tenu compte avec plaidoyer qu'a fait sur styrofoam là. Et il y a des institutions internationales dans ligne directrice qui décide journée aujourd'hui là pour que bénéficiaires yo pas utiliser boîte manger ça. Combat je mets en long en pile. Mais ce qui est important c'est que nous avons quelques éléments nous pas pour crier victoire au niveau de la prise de conscience qui commençait faite par Timoun l'école yo. Il y a des programmes d'éducation à l'environnement en milieu scolaire, il y a des écoles qui changeaient totalement pratique yo mode de consommation yo, et en même temps récipient yo te kon utiliser pour bay moun yo manger. Mais qui ça nous rete kounya nous rete pour gen des dirigeants et pas des corrompus non des dirigeants des responsables qui pour appliquer arrêter qui interdit boîte manger ça et on croit que les nous pral voter kounya là la paix important pour nous voter yo programme yon vision et des mountou qui honnête qui sérieux qui pas faire continuer avec question mafia ça dans institution noir environnement noir li fragile li compliqué environnement noir li catastrophique ça n'a pas mandé kounia là n'a mandé pour tout citoyen pour toute citoyenne jouer rôle yo prend responsabilité nous fait ça que nous gagne
pour nous faire. Il faut que bagaille change. Et changement, il a commencé avec application arrêtée ministérielle 10 juillet 2013 qui interdit sur tout territoire boîte manger ça au cap détruit population. Il faut que nous faut connaître que chaque jour, je dis à la guerre plusieurs groupes qui dans le département, qui dans la commune, qui dans la section communale, qui fait travail ça chaque jour. Qui a changé de façon que l'église, te qu'on a bay moun yo manger là-dedans, les gens fait. Qui a pralé tout dans le mariage, qui a interpellé les gens qui ont marié. De bon travail qui a fait chaque jour en dans le pays sur question ça. 10 juillet, et c'est le moment. Côté que tout groupe ça, tout le monde ça, qui n'a jamais moins, qui travaille chaque jour, ils réunis pour être capables de faire un bagage qui pour interpeller tout le monde et que la presse mobilise. Et ça que nous sommes capables de dire, je dis, le bagage n'a pas changé, le bagage n'a pas avancé, genre que nous avons là. Toute évolution n'aboutit pas à une révolution. Nous voulons une révolution vraiment faite. La question ça a journée aujourd'hui hein. Ça que n'a demandé pour que citoyens ou citoyennes yo, c'est yo bon pouvoir nan men yo. Et c'est au même tout pour commencer prendre décision avec question boîte manger ça. Dans l'église ou pralé yo, sou un pasteur, père toujours à utiliser boîte ça en dans l'église ou pas doit fréquenter l'église comme ça parce que yo pas rempli condition pour yo des responsables. Dans l'institution, dans l'organisation que nous avons fonctionné. Si nous, l'organisation continue à utiliser, ou pas de même organisation comme ça. Parce que c'est illégal, il y a posé des actions illégales et il y a supposé un exemple. C'est le travail ça que nous avons fait. Nous avons travaillé sur mentalité. Et nous croyons que cette année passée, mouvement dynamique n'a pas cassé, il y a continué et nous croyons que je ne t'ai commencé, je ne veux dire, il y a plus d'organisations qui entraînent dans la question ça. Il y a plus de citoyens et citoyennes qui entrent là-dedans. Et au niveau de l'État, tout, il y a un ensemble d'acteurs, moun kap travan dans l'État tout, qui commencent à changer pratique. Yo. Même lorsque l'institution étatique, yo, poko banisti au fond, mais il y a moun, il y a quelques moun kap travan là-dedans tout, qui toujours mettent pression au niveau dirigeant, au niveau responsable, pour être capable d'appliquer arrêté ministériel. Et nous croyons qu'un jour, n'a pleuvé, nous pas besoin de boîte manger ça en Haïti. Voilà. Merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.